Je m'appelle Pierre-Joseph Alcidius Dufort. Je suis né loin d'ici et je suis arrivé ici pour y vivre. Ça fait 46 ans que j'habite ici, là, sur cette terre-là. Là. Voilà. Ma démarche de création, c'est que j'écris des contes. J'ai publié, j'en ai fait beaucoup parce que j'étais aubergiste puis je répondais juste aux questions puis ça devenait un conte. Et j'ai continué d'écrire, mais ça va être publié à titre posthume cette fois-là. Moi, je me cherchais une terre qui avait un bon lot de bois, qui était cultivable, qui avait des bâtiments, qui avait de l'allure. Je n'avais trouvé une à Saint-Barthélemy, dans le comté de Maskinongé. Mais un de mes chums qui vivait à Rimouski m'a emmené ici. Et puis, j'avais déjà vécu à Rimouski, donc c'est la pêche qui m'a emmené ici, parce que je venais à la pêche au bout du lac Assel. Puis le gardien, quand je lui ai dit que je me cherchais une terre, il a dit « Je ne cherche plus, Dieu donné ta vente. » Dieu donné Paquette était propriétaire de la terre sur laquelle nous sommes. Et j'ai acheté ça tout de suite. J'y ai donné 4000 piastres cash. Puis le samedi, on signait papier. Moi, je m'appelle Isabelle Bérubé. J'ai métamorphosé mon nom comme l'écrivaient mes ancêtres. C'est Bérubé avec deux R puis un Y à la fin. Et je ne suis pas native de la région de la Métis. Je suis née à Matane. J'ai vécu beaucoup dans la vallée de la Matapédia, puis j'ai été transplantée à Métis par la force des choses, parce qu'il fallait que je travaille, donc ça me rapprochait de mon travail d'enseignante. Puis moi, j'ai toujours écrit. Et là, quand j'ai déménagé ici, j'ai senti plus d'inspiration, le besoin s'est fait plus sentir, et je me suis mis à écrire des romans historiques. Qu'est-ce qui m'a amenée dans la Métis? C'est d'abord, je cherchais une maison, parce que j'avais deux enfants. Puis, on n'était pas dans des années faciles. C'était les années de la grosse récession des années 80. Puis, il n'y avait pas grand maison à vendre qui convenait à mon portefeuille et à celui-là de mon chum. Donc, on a fini par trouver à Les Boules et on s'est installé là. Puis, on a élevé, on est resté pendant 20 ans à Les Boules. On a élevé nos enfants à cet endroit-là. Puis là, ben moi, je travaillais, j'enseignais. Fait que pour me rapprocher, à un moment donné, ben on a vendu, puis on s'est rapproché, on est allé à Mont-Joli. Puis là, ben la retraite a sonné. Et j'ai pas voulu quitter la Métis, que je me suis en allée à Sainte-Jeanne-d'Arc, où j'ai trouvé une terre, parce que je viens d'une terre. Puis je suis très contente, parce que je retrouve l'environnement que j'avais à la base. Mon nom, c'est Alexander E. Ford. Je suis né à Ottawa, mais grandi dans l'Outaouais, Elmer, plus précisément. Je suis ici depuis 25 ans. Moi, j'ai une double vie, en fait. Je suis un peu gestionnaire d'un site patrimonial, les Jardins Métis, mais en même temps, je suis écrivain, historien. Les week-ends, les soirées, les matins-tons. Et mon parcours, c'est de documenter pour transmettre, en fait. Alors, je fais beaucoup de recherches de toute manière. Et par la suite, avec un long parcours, des fois, entre la découverte jusqu'à la livraison d'articles et livres sur l'histoire de la région, des fois, sur l'histoire plus globalement, sur l'histoire du Québec et les personnages qui l'ont habité. J'étais né ici par un projet, en fait, le projet des Jardins, qui était à l'époque... En privatisation, Pierre connaît bien le projet parce que la première terre que j'habitais, c'était son auberge parce que je cherchais un lieu pour dormir. Puis c'est Pierre l'aubergiste et le compteur qui m'a séduit. Même mon projet, c'était les Jardins Métis. C'était pour participer avec les ateliers Place Soleil puis mes collègues pour remonter ça, l'avancer. Et voilà, pendant, je me suis dit, bon, je vais donner un horizon 3-4 ans. Puis voilà, 25 ans plus tard, je suis toujours là parce que le projet est gros, puis le projet est ambitieux, puis le projet... ne cesse de se développer. Alors, moi, je suis toujours voué à son évolution constante. Au niveau créateur, moi, je suis un peu paresseux, dans le sens que j'aime mieux faire d'autres choses qu'écrire, tout ça. Fait que je fais de la scie mécanique, d'appel ronde, toutes sortes d'affaires, j'arrête pas. Mais pendant que tu zigonnes des choses de patience comme ça, il y a des idées qui s'implantent dans ton cerveau et qui veulent s'expatrier à l'extérieur. Alors, c'est comme ça que je regarde ça. Puis c'est... Moi, mes personnages, mes contes, la majorité sont dans le 5e puis dans les environs ici. On crée des affaires. Pour peindre, c'est facile ici. Ça change à toutes les saisons. C'est magnifique. Il y a des couleurs, il y a des maringouins. On ne s'ennuie pas. Tu sais, ça roule, la poudrerie. Mais tu peux produire... à ce niveau-là, facilement. Mais écrire, j'ai commencé ça ici. Parce que je voulais traduire qu'est-ce que je comptais au monde. Alors, un conte, moi, je commence par le compter, puis après ça, je l'écris.
ma vie sur le territoire, comment ça peut influencer mon travail d'écriture, c'est un peu particulier parce que moi, j'écris des romans historiques, mais j'ai commencé avec des romans médiévaux. Donc là, il n'y a pas grand lien. Ici, on est en territoire complètement nouveau par rapport à l'Europe. La ressemblance se fait par les vallons, par les montagnes, par les arbres, mais je dirais aussi par les gens, parce que les sentiments des gens, c'est les mêmes qu'il y avait au Moyen Âge. C'est juste que moi, je l'ai transposé dans cette époque-là parce que je me sens un lien particulier. Et on s'inspire de ce qu'on a autour de soi, puis des gens autour de nous aussi, puis on le transpose. Et le canal s'ouvre à un moment donné, puis on saisit l'occasion, puis on y va à fond. Le territoire m'habite assez maintenant parce que je suis en train d'écrire un livre sur l'histoire des Métis sur mer, mais qui est peu documenté, curieusement, avec... il y a beaucoup de contes. Mais le travail d'historien, on prétend que c'est la vérité. On commence avec quelque chose de réel, quoi, un document, un article de journal, un objet, parfois des anecdotes. Alors on essaie d'habiller ça avec une vérité, en fait, d'explorer des choses. Alors moi, je suis vraiment dans les pistes multiples pour essayer de rassembler toute cette complexité d'un lieu. Parce que c'est un lieu qui, malheureusement, a eu peu d'historiens dans le passé. Alors on fait comme un maillage de composantes. C'est comme presque du tressage là, de composantes, mais c'est quand même fascinant parce qu'avec ça, on va bâtir une histoire qui est plutôt intéressante, à mon point de vue. Territoire vaste en espace, mais aussi vaste en histoire, avec son occupation qui part des Autochtones jusqu'aux immigrants des derniers week-ends avec le COVID-19 qui amène toute une autre forme d'immigration, mais qui a toujours été un peu, je pense, notre force et notre réalité. C'est un lieu qui rassemble beaucoup de monde de l'extérieur, mais pour laquelle la Métis devient un terrain fertile de vie et puis d'activité. Moi, j'ai une vision un peu poétique des choses, dans le sens que je parle de la vérité, mais il y a des choses vécues. Puis c'est ça qui fait la base d'un conte. C'est Gabriel. Gabriel Bélan qui est resté au bout du lac. C'était une trinité, ça. C'est toujours mystérieux, les trinités. C'était un vieux garçon avec ses deux sœurs qui étaient célibataires. Et puis, lui, il avait la plus grosse base de données, 15 km autour. Tu voulais savoir où ce qui était le plus tard, il savait s'il y avait une source à telle place, qui c'est qui était mort, qui c'est qui était en vie, de qui ça dépendait, etc. Il savait tout. Tout. Et puis, ça m'a pris un certain temps de découvrir d'où c'est qu'il tenait ça. C'est parce que sa sœur écoutait sa ligne. On était 17 sur la ligne, nous autres. Moi, c'était deux petits coups, puis 7 grands coups. Quand ça finissait plus de sonner, c'était fini. Quand j'ai acheté, c'était en 74. Là. Puis, elle a communiqué avec d'autres qui écoutaient sa ligne. Fait que là, il était renseigné, totalement renseigné. On l'appelait Petit Journal, c'était pas pour rien. Puis après ça, ben il y a eu d'autres personnages aussi qui ont été plus dramatiques. Là. Les murs de Mont-Joli, il en parle de bien du monde. Là. Mais entre autres, il y a Jacques Chevrier qui a été, suite à un drame qui a été célèbre, parce que c'était le squadron leader de l'escadrille Panthère au moment où il y avait un gros aéroport militaire à Mont-Joli. Et il a disparu en Gaspésie, a été abattu probablement par des sous-mariniers allemands. Qu'on ne l'a jamais retrouvé officiellement, mais son portrait sur les murs de la ville. C'est ce qui m'a inspiré aussi pour un roman. Légende et moi, je dirais légende et légendaire, parce que moi, j'ai pu travailler avec Rachel Turgeon-Dihomme, qui est maintenant 100 ans, qui habite le foyer des personnes âgées à Saint-Octave-des-Métis. Elle a une bibliothèque de contes presque aussi large que celle de Pierre Dufort. Avec une manière de livrer finalement cette passée d'une façon un peu ludique et un peu, des fois, on questionne vérité, fausse vérité, fait bref, mais une manière de raconter qui est tout dans son honneur, une manière vif, plein d'énergie. Elle était pour nous assez indispensable parce que Isabelle mentionne des personnes de cette génération, il y en a très peu, puis ceux qui l'ont vécu derrière la Deuxième Guerre mondiale, il n'y en a presque aucun maintenant. Ceux qui ont vécu la grande crise économique, il n'y en a pas. Aucune Rachel, je pense. Elle a habité la 5e cabote en arrière de Saint-Octave, pas de souliers, en fait, d'une famille extrêmement pauvre. Et voilà, elle a pu voyager à Montréal, habiter la grande maison, travailler avec la grande bourgeoisie, en même temps tellement terre à terre qu'on dirait incroyablement bien ancré dans son milieu, mais capable de parler de toutes sortes de sujets.
Alors, c'était, pour moi, c'est comme une légende vivante que j'aime beaucoup, puis j'ai apprécié beaucoup parce qu'elle nous a beaucoup aidé à suivre des pistes qui se sont maintenant exposées littéralement à la ville estelle, qui nous a donné des manières de raconter qui sont beaucoup plus intéressantes que les documents nous laissent, qui sont parfois un peu froids, puis un peu carrés, puis un peu inertes. Mais voilà, une vraie conteur peut nous amener la vie dans une histoire qui est très précieuse. C'est ça qu'on cherche, hein? On cherche les anecdotes partout parce que le fait d'avoir des anecdotes, c'est ça qui rend l'histoire pétillante un peu et qui fait l'intérêt. Les gens s'attachent aux personnages qu'on invente aussi ou aux personnages qui ont déjà existé également.